Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Sea of Thieves. En gros, cet épisode, pour vous remettre dans le contexte, a été tourné à la suite de la dernière fable. C'était assez tard hein, dans la nuit pour le coup, enfin assez tard. Ouais, il était genre 2-3 heures du matin je crois quand on avait tourné ça. Et pour le coup, à la fin des fables, j'avais envie un peu de changer de gameplay. Parce que c'est vrai que les fables, autant j'ai trouvé ça cool, autant j'avais besoin de me remettre un petit peu dans le vrai jeu et de faire un petit peu de PVP aussi. Du coup, on a croisé une brigantine au loin, on a vu qu'il y avait peut-être même un galion. On a vu qu'il y avait un sloop aussi, on s'est dit, il y a du monde là-bas, on va tenter une petite session PVP. À droite, il y a un crâne, go, il y aura sûrement du PVP, go, go, go. Ok, il y a un bateau à l'ouest, vas-y, let's go. Mais non, sérieux? Ouais. En vrai, après l'île, tu prends sur la gauche là. Après l'île, tu vires à bâbord toute. On a un navire à l'écouler. On va se faire couler pour cette fois. Jamais. Attends, jamais. Y a un autre navire à l'est. Enfin, à l'est, à droite quoi. À droite, c'est l'ouest, hein. Oui, bah à droite, mais je vois pas j'ai pas la boussole moi. Bah voilà. Ah, et l'autre est en face de nous. Il y en a un en face de nous et l'autre est à droite. Je pense que c'est un galion. C'est un galion ou une brigantine comme nous? Je sais pas. Je sais pas les différencier. C'est deux grandes voiles les galions ou pas? Si c'est le cas, c'est une brigantine. Et en face, c'est un sloop. En face de nous, sloop. Et à droite, galion ou brigantine, je sais pas. J'irais plutôt brigantine, hein, vu d'œil. Sachant qu'à gauche, il y a la forteresse en plus qui tire. Par contre, en vrai, on va plutôt essayer d'intercepter la brigue. Hein. Elle est où? En face, tout droit. Continue tout droit. Ah ouais, bah c'est ce que j'allais. Hein. Mais non, parce qu'il y a le souffle qui est à notre gauche. Aussi. Oh, on s'en fout. Attends, mais où elle est? Ah, elle est là-haut. Bah je crois que le sloop veut nous jouer. Ouais, bah le sloop, tant pis pour lui, on va trop vite. Hein. Je sais pas en vrai, on verra. Et la brigue... Attends, c'est ça à droite là que je vois? Ouais, à droite. Et utilise le boulet violet là. Mais il y a une autre brigue à gauche, hein. Il y a plein de navires. Ok, on va attirer à tribord là. À droite. Trop tard pour le violet en vrai, genre le temps de changer tous ses morts, on va tirer normalement. J'ai touché. Il y a un mec qui essaie de monter. Hein. On est peut-être trop rapide pour lui, hein, je sais pas. Mais attention, sinon il va peut-être aborder. Ok. Je crois qu'il est resté dans l'eau, non? Je vois un truc rouge dans l'eau. Vas-y, fais le tour. Ah mince, maintenant c'est pas le même, sûr. C'est sûr, je crois qu'il fallait. On se recharge en attendant. Pour pas. Attends, non, non, décharge, je suis là, s'il te plaît. Attends, c'est pas grave, je mets l'autre. Ok. Hey, y'a un gros poisson. J'ai mis un boulet spécial là. Oh, y'a un mec qui s'est éjecté carrément et tout. Ouais, ouais, je te dis, tout à l'heure, il y avait un mec qui avait sauté aussi. Celui-là, il est violet, hein, faut pas le louper. Hein. Tu le vois devant. C'est toi qui le prends. Hein. Y'a trop de responsabilités dans celui-ci. Juste trop de responsabilités. Non, mais y'a plein de navires par contre. Hein. Mais par contre, là. Regarde, je vois un autre mât là qui arrive, hein. Je sais pas si les deux navires sont. Oui. Oh là là. Il se tire dessus aussi. Ah mais c'est le sloop lui. Oh il y a le requin. Oui c'est ce qu'il a dit Kelly. Mais il y avait une autre brigue aussi un peu plus loin je crois. Par contre là fais gaffe on va... Là on va prendre. Tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Ah mais attends le bateau il s'est arrêté là ou... Je croyais qu'il continuait hein. Comment vous êtes trop gentil, ça me fait trop mal au cœur. Ils étaient même pas prêts à attaquer ça se voit. J'ai sauté hein si jamais faites gaffe. Le mec est tout seul. Ok. Bah mec il a une brigue hein, il est pas tout seul. Il m'attend en haut. J'en ai tué un. Ok. Un gros requin. Ouais. Mais c'est ça la lumière rouge que je voyais. J'en ai tué deux. Okay. Deux, je peux venir. Ouais. Hein. Tirez leur dessus, hein, faut les couler. Bah je tourne là. Ouais, je tourne pas beaucoup en plus. Ouais. Ils ont pas l'air d'avoir de.
Le butin. Ok, j'en ai balancé un à l'eau. Il y en a un qui reste pendant bas, non? Il faut baisser le voile, enfin, ouais, les montées. Je sais pas. Je vais essayer de monter, voir s'ils ont pas de bateau quand même. Voir s'ils ont pas de. De coffre en haut, ouais. Oh là là. Je sais pas où ils les cachent, mais maintenant les gens, s'il y a des nouvelles strats ou pas pour cacher les coffres ou pas. Ils ont pas l'air d'en avoir en vrai. Ils sont attaqués par le requin en plus. Il y a un autre bateau à gauche. Ouais. En vrai, faudrait que vous me récupériez. Vas-y, je me fais pas le verre, on récupère. On arrive, on arrive. Tu nous vois là. Tu sais que là, on va face tout va. Oh le requin. Pour l'instant, je suis en bas. Oh, face face là, le. Hey. Pour l'instant, je suis en bas en fait. Je me bats dans la cale donc je vous vois pas mais. Attends, j'ai cru voir un mec là venir ou quoi. J'en ai reçu un. Ah, celle-là. Ok, je suis en train de couler leur navire en attendant, j'en profite. Vas-y, on retourne sur le nôtre, Kelly. Hein. Kelly, viens, on y va. Okay, ça sert à rien de tirer au-dessus de la ligne de flottaison, ça va pas le couler. Non, mais normalement là, ça va le couler, il est pas bien le bateau. Ah, mais de toute façon, là, il est déjà en train de couler. Il faut qu'on rebouge, faut pas qu'on reste à l'arrêt, nous. Et nous, on coule aussi. Hein. Go, 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 ok, bah vas-y. Avec vais... vous êtes rentré dedans, on coule. Vas-y, remonte ça et vite, je répare. En vrai, c'est pas grand-chose, ça va. Je répare déjà. Ça va ? Ouais, y'a quelques trous quand même. Faudrait voir l'autre galion, je sais pas quoi là, où est-ce qu'il était là. À la droite, non, s'il est un peu loin. Go le chase hein, déjà, je répare en bas. Y'a encore combien de trucs à réparer, c'est bon? C'est bon, t'inquiète. Aide-le en haut à naviguer, t'inquiète. Fais en sorte qu'il aille le plus vite possible là actuellement. J'aime pas ce bruit. Le bateau il se fait défoncer par. Le requin ? Ouais. Non, mais il est... enfin, à mon avis il a coulé, non, surtout. Non, non, il y avait l'autre, le petit bateau. Ah, le petit ? Ouais. Attends, mais elle est où le. Je sais pas, il y avait un galion ou une autre brigantine dans le coin, il est plus là ? J'sais il pas. Était assez loin, mais ouais, on le voit plus quoi. En bas gauche sur le sloop, hein, si vous voulez. Hein. Ouais, là je tourne. Il y a un homme à la mer, il va essayer de nous aborder là, juste à gauche. Le pauvre. Oh non, 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 j'ai pas confiance, moi, les alliances. On sait comme ça finit, hein. Ah, mais j'ai même pas le son, il parlait d'alliance lui, mais. Oui, il a dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de faire. Moi, j'ai même pas le son, hein, tellement je suis pas en mode je parle. Moi, je parle pas. Stanley, non, non. Oui, puis sur ce jeu, tu sais, il y a tellement une vague aussi à un moment de fausse alliance pour te la mettre à l'envers derrière que moi, je. Oui, bah, moi, justement. Moi, je suis clair dès le début, au moins, c'est réglé, quoi. Bah oui, moi j'étais trop gentil plein de fois. Et à chaque fois je disais bon bah ok, et après il coulait mon bateau. Non mais c'est pour ça, moi les faux friendly. On les connaît. Hein. Bon, au moins y a pas de sous-entendu, y a pas de. On l'a fait à l'envers. Ouais. Tire direct et au moins c'est réglé. Hein. Je dis pas, hein, s'il faut sur 50 mecs qui vont dire friendly, il y en a deux qui sont honnêtes. Mais je descends du coup. En fait, plus tu tournes à gauche, moins on pourra le toucher aussi, tu vois, genre. Ouais. J'ai touché. Ouais, je t'ai touché. Ils ont touché aussi. Ouais, sauf que moi il va falloir que j'aille répare parce que. J'ai retouché. Eux aussi ils ont retouché. Je répare. Ouais, ouais. Préparez-vous à droite. Oh la vache! Il a super. Il touche. Il vise bien. Entraîne au moins. Ça va faire un face to face. Putain, il est plus ici. J'ai plus de mune, je redescends. Je peux les harponner. Ok, j'ai quasi tout colmaté. Ok, j'ai cassé leur mât. Let's go! Vas-y, Kelly, c'est le moment, faut y aller. Hein. Oui. J'ai cassé leur mât. Remonte un peu les voiles. Oui, remonte les voiles un peu. Attends, c'est déjà bon?
On en est où là? Là il faut juste plein, hein, faut tourner à fond. Parce que là ils sont déjà en train de le remonter. Donc là faut full bombarder et faut aborder surtout. Ah mince, mais ah oui, mais c'est ça les boulets là quoi, encore. Mais oui, c'est moi qui ai mis ça. Ouais, vas-y. J'ai plus. Ok. J'ai. Ils sont deux dessus. Jetez surtout pas l'encre en vrai, hein, parce que là ça va juste. Attention, il arrive sur toi, il te regarde. Ah, mais c'est lui qui avait dit friendly. Ah, mais on peut plus parer dans le jeu ou c'est parce que moi je suis mort sur leur bateau, j'en ai tué un. Vous êtes des grands malades. Je suis mort sur le bateau, mais j'en ai tué un. On peut plus parer, ça marche plus. Leur bateau. Ou c'est parce qu'il me tournait autour, j'étais pas bien en face, c'est ça? Ok, il me vise. Il est monté. Il y en a un sur nous. C'est bon, il est mort. Oh, rattrape l'encre, rattrape. Vite, viens m'aider. L'encre. Je l'ai tué, Putain, faut juste rattraper l'encre pour pas que ça descende trop vite, c'est bon. C'est pour ça que ça sert d'avoir deux armes à feu, c'est que je peux pas. Un mort sur leur bateau. Ils ont plus personne, hein, du coup. Il y a un mec sur le bateau. Là, je crois qu'il y en a un. J'ai tué sur le bateau, là. On a comboté, c'est magnifique. Préparez-vous à reponer à droite. Ok, attention, j'attends un truc. Hein. Quel enfoiré. Je m'en occupe. Ça fait beaucoup peut-être là. Ouais, ça fait beaucoup. Les trucs incendiaires, t'as l'impression. Je suis mort. En fait. T'es mort? Ouais. Occupe-toi du feu, s'il te plaît, Kira. J'ai peur qu'il y ait un joueur. Là, en fait, avec le truc. Là, je ne sais pas comment le couper en fait, le feu. Mais là, avec l'eau ici. Là, il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau en dessous. Attends. Là où je suis. Non, il faut que tu t'en occupes parce qu'on va se faire aborder, voilà. Je suis morte. Je l'ai tué. C'est pour ça que je voulais que tu t'occupes du truc parce que je savais qu'il allait aborder. C'est logique d'aborder après avoir fait ça. Ils sont en train d'essayer de nous couler du coup, hein. Ils ont l'avantage. En fait, ils ont dû s'arrêter à côté, ils nous bombardent. Hein. Ouais, bah là c'est. C'est ok. T'inquiète, Kelly, fais la navigue, je m'occupe de réparer. Mais je suis morte, hein, depuis tout à l'heure. Je parle à Kelly. Ah, j'ai cru Kelly, j'ai compris. Y'a encore un peu de feu. J'ai harponné. Maintenant, il va me sniper par contre. Il va me sniper, je vais devoir arrêter. Non, il boule le feu encore. Pourquoi j'ai pas touché là vraiment? Je crois qu'il tue. Y'a un mec sur moi. Il est mort, c'est bon. Bah écoute, bien sympa, Martyr, merci beaucoup Naruto. Bien sympa en vrai, genre. Assez complète pour le coup, on a fait 3 fables. Là, on a fait on fait un peu de PVP, c'est vrai que ça entraîne un petit peu. Attends, mais y'a un truc pour les mules, non? Ah non. Y'a un petit mégalodon derrière. C'est quoi ça? Ah, c'est pour l'étendard, ok, ouais. On fait un peu de PVP, en vrai, bon, on a coulé une brigue, du coup. Donc c'était un 3v3, c'est cool. Enfin, au moins, c'est équilibré. Là, y'a un sloop en face avec 2 joueurs qui sont pas mauvais. Du coup, c'est intéressant aussi en termes de mécanique. Ça nous remet un petit peu dedans, au moins. Au moins on reteste un petit peu plein de mécaniques de PVP, c'est cool. C'est cool pour un retour. Mais putain, mais y'a l'autre sur le bateau. Oh ouais, il m'a tué, y'a l'autre sur le bateau. Hein. Mais je l'ai même pas vu. Je sais pas. What? Bah je suis mort. Ah ouais, mais il a des grenades. C'est bon, je l'ai tué. Mais il a ce qu'il faut. Sinon tu peux me raise. Ah bah dis-le. J'ai pas fait gaffe. Moi j'ai pas vu. J'ai fait. C'est bon. J'y pense plus qu'on peut rester dans le jeu, tu sais, pour moi tu meurs instant. Allez les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo PVP qui j'espère vous aura plu. Pour le coup, moi je suis très content encore une fois, ça m'aura permis de voir un petit peu les nouveaux boulets aussi, le côté bombe incendiaire qui n'existait pas quand moi je jouais au jeu à l'époque. Donc de voir un petit peu comment on peut le contrer, de voir aussi comment l'utiliser, parce que ok, on l'a utilisé contre nous sur ces images-là, mais au moins à l'avenir on pourra aussi l'utiliser sur des bateaux adverses, parce qu'effectivement c'est quand même très puissant
Et bah, ça ralentit bien aussi les adversaires. Après, c'est vrai que je me rends compte qu'au final, on n'est pas obligé de le gérer en priorité, on a quand même le temps. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus le mettre en priorité. Il faut, voilà, mettre les choses dans le bon ordre, on va dire, pendant le PVP, de savoir quoi faire et tout. Mais du coup, non, franchement, c'est très très cool cette petite session. Moi, ça m'a fait plaisir. J'étais bah, très satisfait même de ma prestation personnelle, honnêtement. C'est pas pour me vanter ou quoi, hein. Clairement, je suis loin d'être exceptionnel sur le jeu. Mais j'étais quand même très satisfait pour une reprise sur le jeu, sachant que j'avais jamais trop joué non plus. Je trouve que j'ai bien touché, j'étais assez content, même les moves que j'ai fait et tout. C'est ce que je disais même à la fin du live. En l'occurrence, j'étais assez content parce que je trouve que voilà, il y a des moments où j'ai réussi à gérer bah, plein de choses à la fois. De réparer, d'écoper, de tirer au canon, tirer sur. J'arrivais à mettre les tâches, on va dire, dans le bon ordre pour essayer d'optimiser un petit peu mes mouvements. Et franchement, ça fait super plaisir de dire que, bah voilà, il y a tout ça à faire et que j'ai réussi à le faire un minimum en tout cas. Et c'est super satisfaisant en fait, je trouve. Et après, c'est même pas une question de se dire est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd. C'est juste le truc de se dire ok, on a réussi à faire ça, on a réussi à bien hit et tout. Franchement, j'étais vraiment très content de cette soirée. Je me suis bien amusé en tout cas. Et c'est ça le principal, surtout sur un jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité aussi en tant que spectateur et que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les amis.